Alors aujourd'hui Bouc, le départ de Port de Bouc on va dire. Je monte là à la forêt domaniale du quoi, le Chanton, hein, je crois. Je traverse tout. Je traverse Valtraide, mais vraiment je traverse. Je remonte au Romaron. Et je redescends sur Beaumenière après. Et je prends l'autre montée du moulin de Saint-Julien. Donc je vous ai parlé la semaine, cette semaine en début de semaine. La roche percée. C'est le canton. Allez, canton, ça va bien. Quand je laisse tourner, comme ça, vous voyez où c'est. Bon, travers. Travers. Je crois qu'il est un peu hard au début. Hein. Là, je vais couper le vallon de Valtraide et remonter à l'antenne. Voilà. Ah ouais. C'est pire en pire. Tous les ans, c'est pire en pire. La terre, elle se barre. Et les cailloux, ils sont découverts. Ils sont pas top ici, les cailloux. C'est meilleur sur la gauche là. Ouais, c'est bien meilleur. Voilà, Valtraide. Ballon de Valtraide. À droite, le trou du loup. À gauche, c'est la société de chasse, tout ça. Là. La carrière de Châteauneuf. Moi, je monte là, en face. Beau. Voilà, là je tourne le dos à l'antenne pour aller. Et je vais rattraper Beaumenière à la sortie pour monter au moulin. Beaumenière. Thank you.
Il y a une piste, hein, ça c'est un semblant de piste et ça coupe. La piste, on va la voir en bas. Et quoi, c'est la première fois que je prends le petit tout droit là. Enfin, je le vois à chaque fois. Voilà, pareil jusqu'à l'autre pylône. Et la descente. Un peu de là. Là à droite, ça va au bassin de Valtred. Il y a une piste qui descend, mais il y a un chemin là-bas, genre peut-être qu'à un moment. Je ne sais pas s'il va au même endroit. J'ai bien envie d'aller voir. La piste est là, je vais lasser à droite. Voir si on a une vue de là où ça coupe la piste ou pas. On arrive à droite. Ah, ça va où? Peut-être, on verra bien. La piste, elle est là, voilà. Et quand on descend, j'ai pas souvenir d'un chemin qui arrive de gauche. C'est ça qui me chagrine un peu. Là, la piste elle est déjà 50 mètres plus bas, voire plus. C'était peut-être plus rigolo la piste. Le problème c'est qu'en bas c'est plein de propriétés privées, alors si on n'est pas sur le bon chemin. J'ai bien peur que ça aille nulle part, moi, en fait. Ce sera l'occasion de savoir. Hein. Bon, je ne crois pas que ça soit bon pour nous. Ben, finalement, j'ai continué sur la droite. Hein. Là où j'ai coupé. J'ai fait 100 ou 150 mètres, c'est comme ça, c'est bien. Alors à gauche, falaise. Ça te plairait bien ça, juste en bas ça.
fait, que je découvre en même temps. Hein. Voir la piste. Hein. Alors, pas de marque, il n'y a rien là. Ouais. Alors, je vais m'arrêter de mettre un cairn. Il faut remonter, je suis mal. Hein. Wow, bijou. Je vais voir un peu ça au travers. Ouais, le chemin des chèvres, je vais descendre à pied. Bon, je suis juste après les 10 mètres à pied là. La prochaine fois, avec le hardtail, je vais peut-être le faire sur le vélo. Mais à droite. Tiens, la piste est juste devant. Nickel, j'ai trouvé un joli chemin. Par contre, il y a des blocs de partout, c'est dommage. Il n'est pas assez emprunté ce chemin. Ça alors, nickel. Et je l'ai sur la trace. Voilà, beau meunière. Enfin, je vous dis que tous les propriétés étaient privées. Alors, direction au trou du loup. C'est là, à droite. Et moi, je prends direction au moulin de Saint-Julien. Par le versant qui est costaud, hein. Alors comme promis, la piste est bien défoncée de ce côté-là. Et j'arrive face à l'entrée du moulin. Un passage à 20% dans la caillasse à monter un peu plus bas. Et il y a deux jours, je suis arrivé par là, à gauche. Par contre, là, je ne vais pas me faire avoir. Hein. Je passe direct sur le caillou. Un peu si ça touche, hein. C'est facile, hein. C'est pas ça la question, hein. Ça touche pas, donc la prochaine ça sert vraiment dessus.
continue un peu le chemin. La colline, elle va pas bien loin non plus. À mon avis, ça ne va pas gagner grand chose. La bike continue. On va le tester, mais il y a des propriétés privées en bas de l'autre côté. Là-bas où je suis descendu le jour, c'est bon, mais là-bas, il y a des propriétés privées. Et c'est grillagé. Alors, ça descend par là. Derrière les propriétés, je suis mal. Hein. Et voilà, trou du loup à droite et moi je vais à gauche. Alors, remonter sur l'Escourillon. Je vais en faire presque le tour. Après redescendre par ailleurs que d'habitude. C'est une espèce de piste qui descend vers le Paty, c'est le quartier de Martigues. La Med. Total. Bon, ça passe là ou pas? C'est bien beau, mais j'ai pas envie de crever dans cette merveille. Et Martigues devant. Toujours sur l'Escourillon, le parquet du tour. Un chemin qui descendait à droite. Hein. Et moi je vais descendre là-bas. Voilà, c'est là. C'est assez hard. Hein. Je crois que je n'ai jamais pris avec ce vélo. Donc là, ça se remonte ni en voiture, ni en vélo. Et à pied, c'est très difficile. Ça glisse. Ça, c'était la partie facile. Ça change à chaque fois. Dans l'ensemble, ça passe mieux qu'avant quand même. Hein. Avant, je passais avec le 26 pouces. Là. Un peu galère.
Voilà, maintenant ça descend. Hein. Piste normale. Par contre, il peut y avoir des voitures qui montent. Hein. L'arbre, il est bientôt par terre. Vache. Et voilà, le patron.